Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bon là actuellement je prépare un gros goûter. J'ai mangé pas mal de tacos, une ancienne de tacos sur Toulouse. Donc là forcément je continue, enchaîne, je bégaye pas. Ce soir j'ai un restaurant de poulet, mais 100% poulet. Pas un poulet lambda, hein. C'est un poulet à base de péri-péri. Péri-péri c'est une sorte d'épice paprika fumée, épicée. Et en gros ce soir je passe une massive dégustation de plusieurs plats à base de poulet. Qu'ils soient braisés, marinés, épicés, très épicés. Ici il n'y a pas de friture, hein. Vous allez voir c'est une dinguerie. Sorte de restaurant un peu portugais. Bref, cesse de parler, direction le restaurant Nel Sao pour un gros carnage. Vous êtes prêts? Parce que moi je suis, c'est parti, let's go. Bon, je pense que j'ai tout reçu, une table entière, facilement pour 4, 5, 6, voire 8 personnes, je sais pas. Donc j'essaie de prendre un peu tout de ce qu'il y a à la carte, entre les burgers, les wraps, les pièces de poulet avec os, sans os. Il y a beaucoup, voire un peu beaucoup trop, on va dire. Donc ce qui est simple, et ce qui est marrant ici, c'est qu'il y a plusieurs sauces. Il y a une sauce type barbecue sucré, il y a citron et herbe doux, il y a medium, hot et extra hot. Extra hot, c'est vraiment explosif. Hein. J'ai déjà testé une fois ici avant le confinement, et pour vous dire que l'extra hot, vous allez à la fois rougir, un peu pleurer et piquer un peu. Bref, pour commencer, niveau entrée, là j'ai des foies de volaille qui sont revenus avec une petite marinade sympa. Ici, des crevettes péri-péri. Comme je dis, péri-péri, c'est l'espèce d'épice paprika fumée épicée avec une petite sauce sympa. Là, j'ai le butterfly chicken. Donc, c'est un filet de poulet qui est à plat, directement à plat, qui est braisé, mariné avec différentes sauces. Donc là, je pense qu'ils m'ont mis sauce douce, sauce hot. Ici, j'ai un demi de poulet, donc entier, hein, pareil, qui est braisé avec différentes marinades. Donc, je crois qu'il y a barbecue ou plus une sauce un peu hot. Franchement, ils m'ont un peu pranké. Ils m'ont mis des sauces un peu partout, par-ci, par-là, hot, pas hot. À moi de juger et de voir. Là, fameuse wings roulette. Donc là, c'est très aléatoire. Hein. C'est vous et votre chance. Vous prenez un, votre copine pareil, votre pote pareil. Soit vous avez un truc très doux, soit barbecue, soit médium, soit très hot. Donc là, c'est un peu le piège. Ici, on a le chicken wrap. Pareil qu'un wrap à base de sauce péri-péri, je pense salade, tomate, cheddar. Bref, vous allez voir, c'est une dinguerie. À côté, le burger, le grilled chicken burger. Pareil qu'un blanc de poulet mariné, épicé. J'ai dit ici, il n'y a pas de friture. Hein. C'est vraiment des blancs de poulet qui sont marinés, brisés à base de péri-péri. Et pour finir, une belle brochette. Elle est grosse, hein. Oui, très grosse. Franchement, des blancs de poulet assez généreux comme ça en morceaux, pareil, bien marinés. C'est beaucoup de poulet, hein. Beaucoup de protéines. Je sais pas si je peux tout assumer. Petit plus, accompagnement. Donc il y a beaucoup d'accompagnement entre le riz, les frites péri-péri, les potatoes, purée, purée de patates douces, ratatouille. Il y a plein de choix. Bon, là-bas, c'est pas comme ça. Hein. C'est des ramequins plus conséquents. Mais comme je voulais goûter à tout, forcément, j'ai demandé des ramequins plus petits. Comme ça, je peux donner mon avis. Peut-être pas tout manger, mais au moins goûter. Bon, bah, du coup, je commence par quoi? Restaurant Nel Sao, là, qui m'ont mis archi bien. Je ne sais pas. Juste pour vous montrer, une espèce de spicy meter, comme on voit ici. Ça part du très bas. Donc barbecue sucré, citron et herbe doux, medium, hot, extra hot. Il blague pas. Bon, on va commencer par ce qui est starter, on va dire. Hein. Donc, crevettes péri-péri. Donc là, ils m'ont mis le drapeau extra hot. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Ce qui est marrant, c'est que dès que vous arrivez, prenez commande directement au comptoir, vous installez tranquillement, vous posez, pépère, vous sert la commande, vous avez carrément un jeton pour la boisson, comme style McDo, fast food ou autre. Vous mettez votre jeton, vous prenez votre boisson, et si vous avez encore une autre boisson, vous prenez un jeton et vous l'avez quoi. Pareil pour les sauces, hein. C'est vraiment à volonté, à profusion. Bon allez, on goûte. Ça commence bien. Ça picote, hein. Ouah. Je pense que c'est extra hot ça. Ça picote bien. Ce que je vais faire, je vais goûter un peu à tout, donner mon avis, ça vous aura un peu mon ressenti. Et après, une fois que j'aurai tout goûté, je pourrai manger un maximum et accélérer la vidéo, sinon ça va être trop long. Ah, ça pique ça. Ouf. Ensuite, foie de volaille. Là, ils m'ont mis citron et herbe. Normalement, c'est léger ça. Super bon. Après, les abats, ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment et qui n'aiment pas, j'adore. Là, ça pique pas, c'est bon. Ensuite, les wings, donc wings roulette. Là, je pense que c'est un petit piège. Puis, il y a marqué hot. Donc, soit c'est vraiment hot, soit c'est pas hot du tout. On va voir. Non, ça va. Ah, quoique, ça vient après en fait. Ah oui, je vais avoir soif moi. Ouf! Tellement bon que je mange la peau. Bon, je finirai après. Je pourrai goûter à tout. Ensuite,
à prendre un morceau du wrap là, sans le drapeau si possible. Il est généreux, hein. Dans poulet, garniture, sauce. Super bon, j'adore. Je vais dégommer lui, c'est sûr. Ensuite, le burger, avec un pain un petit peu style semoulé, pareil qui est sur le grill, propre. Sucré, donc barbecue, super bon. Je continue avec les mains, je vais goûter du coup potatoes, classique. Mais bon, frites péripéri, avec beaucoup de péripéri. Hein. En fait, c'est juste fumé quoi, ça pique pas trop. Ensuite, purée patate douce. C'est la base, j'adore ça. En plus, en ce qui est musculation, fitness, patate douce, c'est un aliment indispensable. Ratatouille. Très bon, rien à dire. Purée de pommes de terre. Toi, je suis moins fan. On va quand même goûter. Mais elle est bonne. Onctueuse, moelleuse, comme vous voulez. Riz mexicain. Style un peu paella, quoi. Oh, c'est bon, ça. Super bon. Là, je pense que c'est la même chose. Salade. Bon, on va pas goûter ça, on connaît. Hein. Bon, allez, juste ça, quoi. On va faire le côté healthy, quoi. Diète. Voilà. Ah oui, ça. Épis de maïs. Pareil, revenu au grill. Ça j'aime bien, c'est super bon. Par contre c'est chiant à manger. Oh, on a plein les dents. J'ai goûté à tout sauf demi-poulet, butterfly chicken et la brochette. Par contre ça c'est abusé quoi. Limite c'est mon avant-bras quoi. J'ai jamais vu ça. Gros morceau de poulet. Poulet c'est la vie. Ah. Quand ils m'ont mis la sauce, ouf, c'est chaud. Les petits malins, ça arrache. Hein. Si vous n'aimez pas le piment, prenez barbecue ou médium ou citron herbe. Hein. Parce que rien que hot ça arrache, mais extra hot c'est ouf. Alors, on a carrément un demi-poulet entier. On va goûter un morceau de blanc et un petit mélange barbecue et une sauce un peu spicy, ça passe bien. Et maintenant j'ai goûté le butterfly chicken, donc un filet de poulet à plat, pareil grillé, braisé, comme vous voulez, gros morceau, trop bon. Eh ouais, c'est des gros morceaux ici, hein. Une blague pas. Hein. Ça plus accompagnement, vous êtes calé. Bon, j'ai goûté à tout. Attends, je vais accélérer la vidéo un peu, sinon c'est trop long. J'ai de manger un maximum. Si je finis pas, c'est pas grave. Hein. Doggy bag à emporter. C'est tellement bon que il y a moyen que je finisse tout. Mais comme c'est du poulet, ça nourrit bien. Il y a moyen que je finisse pas. On verra. Je rappelle que tout à l'heure, au goûter, tacos m'ont mis bien. Bon allez, ne bégayez pas, on continue. Bon, butterfly chicken, le poulet qui vole là. Terminé, il me reste the big brochette et les wings et le drumstick. Je commence à caler. Mais bon, elle me fait envie, mais elle est balèze. On va essayer de manger ce que je peux. Voici un morceau. C'est trois doigts quoi. Bon là j'ai peur que ce soit un petit peu sec du coup, donc ça refroidit. Ce que je vais faire, c'est prendre de la sauce. Alors j'ai extra hot, hot, medium, citron, herbe, barbecue. Extra hot hein. Non, va faire le fou. Allez si tiens, va faire le fou. Pourquoi je fais ça moi? Je sais pas pourquoi mais... Allez hop. Ça pique. Bon les amis, j'ai fini du coup la brochette. Avec ça, je n'aurais jamais dû. Parce que honnêtement, ça m'a calmé là. Ça m'a anesthésié, j'en ai pleuré. Et là, j'ai plus faim. Je pourrais finir ça, mais c'est même pas la peine. Parce que là, ça m'a mis une claque, ça m'a calmé. Donc on va se calmer, on va rester soft. Ça, pas de perte, pas de gaspillage. Je le prends en portée, doggy bag. Il reste que quoi? Quelques wings et 3 ou 2 drumsticks, je crois. Donc il reste quoi? 6-7 pièces. Ce sera pour ce soir, une collation nocturne ou le matin au petit-déj. On verra. En tout cas, je suis bien régalé, j'ai bien mangé. J'ai bien souffert aussi. Hein, les sauces piquantes là. Mais si, blague pas. Hein. En tout cas, merci au restaurant El Sao à Toulouse. Donc, il y en a un à Lyon, un à Toulouse. Là, je suis de Toulouse. Franchement, c'est une tuerie. Concept super sympa. Je connaissais pas. C'est un concept assez innovant. En France, il n'y en a pas non plus des masses et des trucs comme ça. Généralement, c'est poulet frit. C'est pas des poulets marinés, épicés, braisés, cuits comme ça en mode brochette, burger, wrap, pièces de poulet avec ou sans os. Une belle trouvaille. Super bon. Donc, je vous recommande fortement. Donc, allez-y. El Sao à Toulouse. Pour ma part, je pense que je vais digérer tranquillement. Hein, entre cet après-midi et ce soir, bien manger. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, pensez à liker. Je compte sur vous. À liker, à commenter, à partager. Vous aimez, c'est pas encore le cas. Très important. La petite cloche, la petite communication. Suivez-moi sur mes réseaux. Insta, Snap, Facebook et TikTok. Très important aussi. Ça, avec modération. Hein. Pas des fous, pas comme moi. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao!